On sait que ça joue à une demi-seconde entre le moment où tu tues tout le monde et le moment où tu dis que tu es. Voilà, il te manque une demi-seconde. Une demi-seconde divisée par 15 virages, ça fait pas grand-chose. Non. Pour le grand public, c'est, ça se joue au freinage, au passage, à l'accel. Au... Non, là, c'est plus qu'on décrire techniquement le freinage, l'accélération ou le passage en virage, c'est de l'aisance sur la moto. C'est de pouvoir vraiment diriger la moto où on veut, quand on veut. Et ça, quand on change de circuit tous les 15 jours ou presque toutes les semaines, des fois. Chaque circuit a sa particularité. Et donc, il y a des circuits qui s'adaptent mieux à certains pilotages ou mieux à certains réglages de moto. Et ça peut avantager certains à certains moments. Mais c'est sur ça que ça se joue. Après, c'est pour ça qu'il faut compter sur le pilote qui fasse son boulot à fond et sur une équipe qui sait gérer tous ces changements et ces adaptations. Et ces quelques centièmes, ça vient pas de la confiance ou de... Non, je veux dire, à chaque virage, tu freines au 10 cm près, au même endroit, tac, tac, tac. Fin... Quasiment, oui. Ouais. Ça dépend de la bagarre ou la vitesse à laquelle on arrive, la manière dont on va relâcher l'embrayage. Mais ça, tout ça, grâce à l'entraînement, c'est des automatismes qu'on ne pense plus. Parce que sinon, si on commence à penser à ça, on n'est pas là. Merci, bravo.